Chers téléspectateurs et téléspectatrices, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs en Jésus-Christ, amis de partout, une cordiale salutation vous est accordée ce soir, et d'une manière plus particulière à toutes et à tous. Nous tenons à saluer aussi tous les super branchés, c'est-à-dire les psychothérapeutes. Bien sûr, c'est un nouveau nom pour nos abonnés. Et tous les fans de l'émission Psychothérapie spirituelle, nous vous disons bonsoir, car nous sommes rentrés chez vous, en chair et en os, pour vous faire vivre nos exposés théologiques, comme d'habitude. Nous vous demandons de bien vouloir abonner, aimer, commenter et partager nos vidéos. C'est la seule façon que vous pouvez supporter notre émission. D'ores et déjà, nous vous souhaitons bonne audition et bonne écoute. Nous allons passer tout de suite à la lecture de la parole de Dieu. L'acte scripturaire du jour est tiré du livre de Matthieu, le chapitre 25, versets 1 à 13. Je vais lire pour vous. Je vous demande de bien vouloir prêter attention à la lecture de la parole de Dieu. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, eux 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: Voici l'époux, allez à la rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent: Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent, et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Verset 13 pour finir. Veillez donc, puisque vous ne savez ni l'heure, ni jour. Parole du Seigneur. Courbons nos têtes pour la prière. Père de grâce et de vérité, dans le nom de Jésus, nous t'approchons ce soir pour te remercier de ce que tu nous as fait grâce, de ce que tu nous as mis à part pour te servir. Merci Seigneur de ce que tu nous utilises comme des instruments, comme des outils pour la prédication de l'Évangile. Nous te remercions infiniment. Nous te remercions pour ta parole que nous venons de lire. Nous te demandons de nous accorder la puissance de ton Saint-Esprit pour que cette parole ne prêche pas non selon la chair, mais selon ton Saint-Esprit. Bénis les auditeurs et auditrices qui sont épais partout à travers le monde qui va écouter ce message. Permets au Dieu qu'il puisse puiser de ta parole les bonnes instructions pour le royaume des cieux, afin que cette parole puisse les tirer du péché et les conduire à la lumière de ta parole. C'est notre cri, notre pétition par devers toi.
Au nom et par les mérites de Jésus-Christ, notre Sauveur, à lui seul la gloire, au siècle des siècles, nous t'en prions. Amen. Une fois de plus, frères et sœurs, nous sommes de retour. Après avoir prié le Seigneur, on ne peut rien faire sans la présence du Saint-Esprit de Dieu. Une très bonne portion de l'Écriture que nous venons de lire, nous allons tirer de ce texte un sujet très connu parce que vous avez déjà entendu parler de ce thème. Les prémillénaristes et les pré-tribulationnistes doivent avoir toujours de l'huile dans leur lampe. C'est ce thème que nous allons développer pour vous ce soir à travers le texte lu. Les prémillénaristes et les pré-tribulationnistes doivent avoir toujours de l'huile dans leur lampe. L'objectif de l'exposé du jour est « Tous les candidats pour le ciel sont des prémillénaristes et les pré-tribulationnistes. » Notre devoir, c'est encourager les autres à en être aussi, à faire comme vous l'êtes, à être toujours prêt pour le retour de Christ, c'est-à-dire de trouver en vous, de trouver dans les bonnes conditions pour que le Saint-Esprit habite en vous. On doit se réveiller au sommeil spirituel, c'est-à-dire le sommeil du péché, pour que vos yeux soient ouverts pour voir votre état, votre conduite, si vous êtes en préparation pour la venue de Christ. Nous allons vous faire un appel, un rappel de ce que nous avons vu déjà. Si vous vous souvenez, nous avons parlé le mois dernier de ces termes. L'enlèvement de l'Église. Quelques semaines écoulées, nous avons parlé de l'enlèvement de l'Église qui est une action imminente et certaine pour tous les chrétiens. Ensuite, je vous ai laissé le soin à une question assez importante, utile et pertinente pour votre vie spirituelle qui s'intitule « Serez-vous là? Serai-je là? Serons-nous tous là en ce grand rendez-vous glorieux et inexcusable? » Qu'avez-vous fait de ces questions-là? Ceci est à votre volonté. La réponse est personnelle. Nous avons parlé de ce moment ravi qui tremblera à l'humanité, surtout ceux qui ne donnent aucune valeur à la prédication de l'évangile de Jésus-Christ. Dans ces derniers temps, ils ont préféré d'autres choses perfides que de payer une attention soutenue à la parole de Dieu. Nous avons soutenu les trois grands aspects doctrinaux ou trois catégories majeures qui fixent la position des croyances concernant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit des doctrines comme le prémillénarisme, amillénarisme et le postmillénarisme. Ces doctrines soutiennent différemment leurs croyances concernant la question du retour de Christ avant le millénium. Et ces mêmes doctrines soutiennent différemment par leurs croyances concernant la tribulation qui doit prendre place après l'enlèvement de l'Église, telles que le pré-tribulationnisme, le mid-tribulationnisme et le post-tribulationnisme. Le pré-millénarisme et le pré-tribulationnisme soutiennent l'idée que le royaume millénaire s'établit après l'enlèvement de l'Église ou après l'enlèvement de l'Église ou bien l'enlèvement de l'Église se tiendra avant
le royaume millénaire et avant la tribulation. Et la tribulation prend place tout de suite après l'enlèvement de l'Église. Par contre, le millénarisme et le mid-tribulationnisme soutiennent qu'il n'y aura jamais un royaume millénaire sur terre. Et l'enlèvement de l'Église se tiendra au milieu de la tribulation. C'est là leur croyance. Tandis que le post-millénarisme et le post-tribulationnisme soutiennent l'idée que l'enlèvement de l'Église et le royaume millénaire prennent place juste après la tribulation. Chacune de ces doctrines fixe leurs croyances différemment de ces événements. En parlant de l'enlèvement de l'Église, le millénium et la tribulation. De toute façon, le pré-millénarisme et le pré-tribulationnisme ont fait le meilleur choix et la meilleure croyance que les deux autres. Car la parole de Dieu a parlé textuellement, littéralement, absolument et théologiquement à travers la Bible concernant ces événements qui se dérouleront très bientôt. Mais parfois, pour des raisons ou pour une autre, les hommes ont préféré de dire une parole néfaste, perfide, à la place d'une autre juste pour essayer de modifier le plan de Dieu. Mais toutes ces tentatives sont en vain, car rien dans la vie n'est au-dessus de ce que Dieu dit. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, d'après 2 Chroniques 6, verset 15. Ainsi, tu as tenu parole à ton serviteur David, mon père. Et ce que tu as déclaré de ta bouche, tu l'accomplis en ce jour par ta puissance. Un millénium littéral de 1000 ans, plus que réellement possible. La Bible décrit une période future littérale de 1000 ans, d'où par conséquent le mot grec pour millénium est chilias ou chiliasme, veut dire 1000 ans, fait son apparition 6 fois dans l'Apocalypse, le chapitre 20, indiquant clairement la période de temps ayant 1000 années littérales. Le but de cette période de temps est que Jésus-Christ ait un royaume terrestre sur lequel il établira son royaume afin d'accomplir ses promesses à Dieu. Nous avons des textes bibliques comme preuve tangible. Le mot tangible au bas latin, tangibilis, du latin classique tangere, qui veut dire toucher. Une chose est tangible, c'est lorsqu'on peut la toucher. Par exemple, la Bible est touchable. Il n'y a pas d'assortie là. C'est la vérité. Voici ce que confirme Genèse 13, versets 14 à 17, Genèse 15, verset 5, Genèse 18, verset 21. Vous pouvez les lire vous-même parce que nous aimerions conserver le temps. 2 Samuel 7, verset 16 à 19. Isaïe 10, verset 21 à 22. Isaïe 11, verset 1 à 2. Jérémie 23, verset 5 à 8. Jérémie 30, verset 22. Jérémie 30, verset 31, 34 à 34. Ézéchiel 11, verset 18 à 20. Ézéchiel 34, verset 24. Ézéchiel 36, verset 24 à 28. Michée 7, verset 19 à 20. Et puis Osée 3, verset 5. Finalement, Romains 11, verset 26 à 29. Et j'en passe. Il y en a d'autres toujours. Mais je vous donne ces textes que vous allez les consulter vous-même pour constater ce que nous avons dit.
Nous continuons une période de temps à venir a été mise de côté, premièrement, pour que Dieu déverse sa colère sur le monde méchant. Petit b, pour ramener Israël à reconnaître Jésus comme son Messie. E, troisièmement, pour que le Messie revienne combattre pour son reste croyant. Confirme Daniel 4, versets 26 à 31, Ésaïe 13, versets 6 à 13, Ésaïe 17, versets 4 à 11, Jérémie 30, versets 4 à 11, Ézéchiel 20, versets 33 à 38, Daniel 9, versets 27, Daniel 12, versets 1, Zacharie 14, versets 1 à 4, et puis Matthieu 24, versets 9 à 31. Un grand nombre d'évangéliques soutiennent et associent le millénaire et l'enlèvement de l'Église selon ces trois courants doctrinaux majeurs, le pré-tribulationnisme, le mid-tribulationnisme et le post-tribulationnisme, chacun dépendant du moment où l'Église sera enlevée, avant, au milieu ou à la fin des tribulations. Tel que ça décrite dans l'Apocalypse de Jean. Selon le courant le plus répandu, voici comment l'eschatologie explique la façon dont Dieu va mettre fin à ce monde, le cosmos. Le pré-tribulationnisme ou le pré-millénarisme, dans un premier temps, il enseigne que, premièrement, l'Église sera enlevée. 1 Thessaloniciens 4, le verset 16 à 18. Et ainsi, deuxièmement, l'Église sera préservée ou épargnée des grands jugements qui frapperont le monde. Apocalypse 3, verset 10. Pendant cette période de 7 ans, troisièmement, voici troisième chose qui va arriver. L'Église sera unie avec le Messie, c'est-à-dire le Christ. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Quatrièmement, le royaume millénaire ou le millénium sera épargné aussi de Satan avant que celui-ci ne vienne affecter le millénium, c'est-à-dire un règne de 1000 ans sur terre. Apocalypse 20, versets 1 à 6. Avant la fin du millénium, cinquièmement, il y aura le jugement dernier qui est le jugement du trône blanc qui aura à voir avec la disparition du ciel et de la terre, le jugement des morts, petits et grands. Et il y aura des livres ouverts et le livre ouvert. Écoutez l'expression. Il y aura des livres ouverts et le livre ouvert. Priez pour que votre nom se trouve écrit dans le livre de vie, mais non pas dans les livres. Les œuvres de chacun seront apparues. La mort et le séjour des morts seront tous jetés dans les temps de feu et de soufre. Et enfin, ceux qui leur nom ne trouveront pas écrit dans le livre de vie seront tous jetés dans les temps de feu et de soufre. Apocalypse chapitre 20 versets 11 à 15. Après le millénium, finalement, ce sera la fin du monde et l'entrée dans l'éternité ou un monde nouveau. Il y a certains qui ne croient pas qu'il y aura une éternité. Mais voici ce que la Bible nous dit, la parole de Dieu. Apocalypse, le chapitre 21, verset 1. C'était comment ça se déroulera ou ce qui se passera avant, dans et après le millénium, en 6 catégories. Si vous voulez aller au ciel, prenez des notes. C'est très, très, très important pour avoir des connaissances de ces choses, surtout en ce qui concerne l'eschatologie. C'est ce que croient
le prémillénarisme et le pré-tribulationnisme. Les prémillénaristes et les pré-tribulationnistes sont ceux et celles qui croient dans l'enlèvement de l'Église avant l'établissement du royaume millénaire et avant l'arrivée de la grande tribulation, et qui attendent avec joie ce jour glorieux. Mais ils doivent avoir toujours de l'huile dans leur lampe, comme étant des sages, des intelligents. Ils sont des modèles pour des folles. Voici le contexte du texte lu et du développement, le kérigme du jour. Matthieu chapitre 25, versets 1 à 13. Tout d'abord, avoir de l'huile dans sa lampe signifie qu'un croyant doit être dans des conditions pour que le Saint-Esprit de Dieu habite en soi. C'est ça le mot clé de tout ce texte. L'huile est un symbole du Saint-Esprit de Dieu. Voici une parabole du royaume des cieux. De cet état de choses qui existe pendant le temps où le roi est rejeté, mais où un témoignage lui est rendu par ceux qui l'ont reçu et le connaissant et le connaissent. Le Seigneur présente ici une des formes de ce royaume. Le mot lampe a une définition propre à cette époque. Écoutez, frères et sœurs, le mot lampe a une définition propre à cette époque. Les lampes antiques se composait d'un récipient fermé, muni d'une poignée. Le couvercle était percé de deux trous, l'un qui contenait la mèche, l'autre servant à verser l'huile à l'intérieur. Si l'on utilisait ces lampes en plein air ou dans des grandes pièces, on les portait au bout d'une longue tige de bois. Il le compare à 10 vierges sorties à la rencontre de l'époux. Cette rencontre, dans les noces telles qu'elles se célèbrent encore en Orient, a lieu la nuit, moment de l'arrivée de l'époux. Il faut donc lui donner de la lumière pour lui permettre d'entrer dans la salle des noces. C'est à ce service que sont appelées les vierges. Seuls, ils leur accordent le privilège d'entrer avec l'époux aux noces. Ces 10 vierges, ayant pris leur lampe, sortirent à la rencontre de l'époux. Elles présentent tous ceux qui ont reçu l'évangile depuis que le Seigneur l'a fait de profession de christianisme. L'évangile ayant été prêché aux juifs, aux gentils, tous ceux qui l'acceptèrent sortirent du judaïsme et du paganisme qu'ils avaient pratiqué comme religion. Ils sortirent pour attendre le Seigneur. Le terme générique du mot paganisme est employé depuis le 6e siècle par des gens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs, etc. Le judaïsme, comme vous le savez déjà, qui définit comme une forme de vie religieuse dont la caractéristique essentielle est la croyance à un être suprême, etc. Le christianisme vital, tel qu'il se réalise au premier temps de l'Église, se caractérisait par l'attente vivante du retour de Christ. On racontait comment les Thessaloniciens s'étaient tournés des idoles vers Dieu pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 9. Mais de bonne heure,
Il entra dans ce témoignage public des personnes professant le christianisme comme religion, mais sans la vie, sans la puissance de la vie, sans la puissance de l'esprit qui fait briller la vie de Dieu comme de l'huile qui fait briller la lampe. Il ne faut pas oublier qu'un jour, je vous ai bien dit que le christianisme n'est pas une religion comme le monde le croit, mais c'est une forme de vie spirituelle et relationnelle avec le Seigneur Jésus. Je vous prie de veiller à ce genre d'expressions humiliantes de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Des personnes pratiquant la religion pour le christianisme, elles sont représentées par les cinq vierges folles. En effet, quelle folie que de s'engager à éclairer peut-être toute une nuit, car on ne savait pas à quelle heure l'époux venait, sans prendre avec soi l'huile nécessaire pour alimenter sa lampe. Les vierges prudentes avaient pris de l'huile dans leur vase, car elles se rendaient bien compte de leur service. Elles représentent donc ceux qui, dans la chrétienté, ont la vie de Dieu, dont l'esprit fait briller les caractères dans la nuit morale où le monde se trouve jusqu'au retour de Christ. Hélas, l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Les croyants, aussi bien que les non-croyants, ont perdu de vue la pensée du retour de Christ. C'est ce qui se passe maintenant à travers l'humanité. C'est ce que nous sommes en train de vivre maintenant même, frères et sœurs. L'influence endormante de la nuit a produit ses effets sur les uns comme les autres, car il faut une énergie constante pour ne pas s'endormir, parce que ce n'est pas naturel d'être éveillé pendant la nuit. Il ne faut pour cela qu'un objet qui captive le cœur. Or, si cet objet n'est pas le Christ, le chrétien s'endort vite. Il suit le courant de ce monde, ce qui est naturel à la chair. Mais au milieu de la nuit, il se fit un cri, « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» De nouveau, il faut sortir, non plus du judaïsme et du paganisme, comme au commencement, mais de l'état de sommeil dans lequel la chrétienté tout entière était tombée, faute de vigilance. Un réveil se produit, ce qui eut lieu dans la première moitié du siècle passé, lorsqu'on retrouva dans la parole de Dieu la vérité concernant la venue du Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Toutes les premières vierges, pour ainsi dire, se levèrent et apprêtèrent leurs lampes. Mais les lampes de celles qui n'avaient pas d'huile avaient avec elles s'éteignent bientôt. Car à quoi bon rallumer une mèche sans huile pour allumer? C'était possible. On a beau vouloir retourner ou reformer une religion sans vie, elle ne produit pas de lumière pour le Seigneur. L'huile arrive à manquer. Les fruits d'une nature religieuse ne sont pas les produits du Saint-Esprit et ne peuvent se soutenir, frères et sœurs. Les folles dirent aux prudentes,
Donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. C'est très douloureuse. Les vierges prudentes ne pouvaient qu'envoyer leurs compagnes à la source vers ceux qui en vendent. Le croyant possède la vie et le Saint-Esprit pour lui-même, mais il ne peut les communiquer aux autres. Or, comme elles s'en allèrent pour en acheter, derrière elles, l'époux vint, et celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui aux noces. Elles avaient accompli le service pour lequel elles avaient été appelées. Leur place était avec l'époux dans la place des noces. Et la porte fut fermée, c'est très malheureux. Cette porte que personne ne peut ouvrir et qui sépare ceux qui sont dans l'allégresse et la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres et des pleurs et des grincements de dents. Cela rappelle cette porte que Dieu lui-même ferma sur un monde impie qui allait être englouti par les eaux du déluge au temps de Noé, Genèse le chapitre 7, verset 16. Les autres vierges folles, les négligents, les rébellions viennent disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» C'est désolé, c'est trop tard. Mais lui répondit et dit « En vérité, je ne vous connais pas. » Réponse terrible de Jésus aux vierges folles. L'époux avait besoin de ces vierges pour lui donner de la lumière au moment de son arrivée, au moment de son entrée, comme c'était la coutume des Juifs de ce temps-là. Elle ne se trouvait pas à l'heure de son arrivée. Aussi ne savait-il que faire d'elle dans la salle de noces. Veillez donc, frères et sœurs, car vous ne savez ni l'heure ni le jour. Chers amis lecteurs, qui pourriez n'être pas prêts, ne jouez pas avec le temps où l'évangile de Christ est à vos oreilles comme celui de Noé. Nous connaissons bien celui qui est derrière nous, mais non pas celui qui est devant. Ce temps de la grâce est limité. Nous touchons à son terme, à sa fin. Le cri « Voici l'époux » s'est fait entendre il y a plus de 100 ans déjà. Plus de 100 ans déjà. Lorsque la vérité relative au retour de Christ fut retrouvée et proclamée dans toute la chrétienté. Ce cri ne précède que d'un instant arrivé de l'époux. Les gens allèguent ou citent que le retour de Christ n'est pas imminent. Mais au contraire, il s'est approché de nous d'une centaine d'années. Du reste, n'oublions pas qu'un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour. 2 Pierre, le chapitre 3, le verset 8. Il ne nous appartient pas de discuter sur le temps avec Dieu, car le temps appartient à lui seul. Le Seigneur appelle insensé celui qui décidait du temps pendant lequel il pourrait faire de bonnes chères et se réjouir. Luc 12, verset 19. On frémit à la pensée que tant de personnes, et même des enfants des chrétiens, pourront se trouver dans le cortège des vierges folles, puisqu'elles n'auront ni la vie, ni le Saint-Esprit, et ne manifesteront aucune lumière pour le prochain retour de Christ. C'est pour cela que nous répétons qu'il faut posséder des choses aujourd'hui pour être sûr de les avoir plus tard. C'est un conseil spirituel, frères et sœurs.
Si vous croyez qu'il y a encore du temps jusque-là, puisqu'il s'en est déjà tant écoulé, rejetez cette pensée qui en est à entraîner un si grand nombre dans l'abîme. Puisque ce jour peut être aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut accepter le salut, car demain, vous pourriez bien crier avec vos compagnons d'infortune, derrière la porte fermée, « Seigneur, Seigneur, ouvrez-nous !» Recevoir pour toute réponse cette parole solennelle, « En vérité, je ne vous connais pas. » Le Seigneur pourrait vous dire aussi, « Je vous ai appelé tant et tant de fois, je vous ai fait dire que le temps était court, que j'allais venir. Vous avez laissé écouler ce temps précieux, préférant jouir du monde et des choses qui sont dans le monde. Maintenant, il est trop tard pour se repentir. Même si quelqu'un connaissait le jour de sa mort ou le jour de la venue du Seigneur, nul n'oserait garantir qu'il en profiterait pour se souvenir. Vous connaissez peut-être l'histoire d'un jeune homme averti dans un songe que, dans un jour, il descendrait en enfer. Un tel avertissement pareil aurait dû le décider pour Christ et produisit en lui, sur le moment, une profonde dépression. Mais le monde reprit le dessus, eux, un an et un jour après son rêve. Il disparaissait dans l'abîme, chargé de tous ses péchés. Veillez, frères et sœurs, à toi, le temps passe et ne reviendra plus. Le temps passe et ne reviendra plus. Aujourd'hui, jour de grâce, viens à Jésus. Dans 260 français, nous chantons ce cantique. Oh, quel beau jour, nous verrons le Seigneur, aussi nombreux que les anges, que le sable. Et comme dit aussi le numéro 290 en français, chant d'espérance, aujourd'hui c'est jour de grâce, ne comptez pas sur demain. Pendant que le Sauveur passe, saisis sa puissante main. C'est l'intelligence spirituelle, c'est la prudence spirituelle. Saisis le moment, saisis l'occasion favorable pour accepter le Seigneur. Veillez donc, car vous ne savez ni jour ni l'heure. C'est ainsi que le Seigneur lui-même termine cette solennelle parabole des 10 vierges. Dieu veille qu'elle ne soit pas présentée en vain à aucun de nos frères et sœurs, de nos psychothérapeutes qui nous écoutent un peu partout à travers le monde pour être prêts pour le retour de Christ. Soyez des sages, des vierges sages, des prémillénaristes et des pré-tribulationnistes. Mettez de l'huile dans vos lampes, car celle-là est fondée la vraie croyance de tous les rachetés du ciel. C'est aussi un message qui réclame un réveil spirituel, car l'Église, dans un profond sommeil spirituel, c'est-à-dire la mort spirituelle, il faut qu'on se réveille. La récapitulation de cette fameuse parabole utilisée par le Seigneur Jésus-Christ. Le terme noce représente la date de retour glorieux de Jésus-Christ ou l'enlèvement de l'Église. Les vierges représentent le monde entier qui se compose des sauvés et des non-sauvés. Les vierges sages représentent ceux et celles qui entendent et mettent en pratique l'évangile de grâce. Ils sont toujours prêts pour attendre le retour de leur maître. Les vierges folles représentent ceux et celles qui désobéissent, refusent, négligent et méprisent l'évangile de grâce.
Ils ne seront pas toujours prêts au moment de la tribulation. Ils croiront, mais ce sera trop tard. Ils aimeront entendre la prédication qu'ils ont rejetée avant, mais les prédicateurs seront avec Christ. Leurs travaux sont déjà terminés. Et ils aimeront à se repentir, à être au milieu des sauvés, mais ce sera trop tard. Car Christ fermera la porte qui se situe entre les sauvés et les non-sauvés. L'époux représente le Seigneur Jésus. Ce qui a été annoncé par l'évangile johannique, le chapitre 3, verset 29. Nous lisons, « Celui qui a l'épouse est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là. Il l'écoute. Et la voix de l'époux le comble de joie. » L'épouse représente l'église universelle et l'église locale. On se demande comment l'église est devenue l'épouse de Christ. Comme élément de réponse, nous avons vu qu'appartenir à Jésus-Christ implique de quitter notre ancienne vie. Et ce, sans perdre notre individualité. Mais cette union à Jésus-Christ est tellement plus que simplement de quitter quelque chose. C'est quitter la vie passée pour entrer dans une nouvelle vie avec Jésus-Christ. C'est là le mariage. Et c'est aussi ça, le mariage avec Jésus-Christ. Lorsque le Seigneur nous a unis à lui, nous avons quitté notre vie passée et le Seigneur a fait de nous son épouse. Éphésiens chapitre 5, verset 32. Nous lisons. C'est une épître paulinienne. Paul déclare, « Ce mystère est grand. » Je dis cela par rapport à Christ et à son Église. Le terme « huile » est un terme si large en définition, enrichissante dans la connaissance biblique. Mais d'après ce passage lu, en l'occurrence Matthieu le chapitre 28, verset 1 à 13, pour les chrétiens, l'huile représente ici comme le symbole du Saint-Esprit de Dieu dans la vie de tous les rachetés. Les chrétiens sont loin de l'Esprit qui nous guide dans toute la vérité et nous ouvre continuellement de sa grâce et de son réconfort. Écoutez ce que dit l'apôtre Joannique dans 1 Jean le chapitre 2, verset 20. Il dit, « Quant à vous, vous avez l'onction donnée par celui qui est saint et vous avez toute connaissance. » Et quoi pas, et pourquoi pas, un jour, peut-être, vous aurez la toute définition du Saint-Esprit et son rôle dans la vie de tous les chrétiens. La salle des noces représente le royaume des cieux, où Christ recevra ceux et celles qui ont cru en lui. En d'autres mots, la salle des noces représente la présence même de Christ. 1 Thessaloniciens chapitre 4, D. Nous lisons. Et aussi nous serons pour toujours avec Christ. L'apôtre fit fermer représente la fin de toutes choses. Arrive le moment colérique de Dieu contre le monde méchant et impie. Apocalypse chapitre 6, verset 17. Car le grand jour de sa colère est venu. Et qui est-ce qui pourra subsister? Nous avons eu la chance de revoir ensemble les 6 croyances concernant l'enlèvement de l'Église, le royaume millénaire et la tribulation. Mais la meilleure de toutes ces croyances est le prémillénarisme ou le pré-tribulationnisme. En tant que ceux qui croient dans l'enlèvement de l'Église avant le royaume millénaire et avant la grande tribulation, vous devez avoir de l'huile dans vos lampes pour être prêts pour les noces de l'agneau. On a eu la chance de vous récapituler les définitions de certaines expressions telles que l'époux représente le Seigneur Jésus, l'épouse représente l'Église, sa fiancée qui est nous,
les rachetés de l'Éternel, etc. Ce message, c'est un message. C'est un message d'avertissement à tous, à tous les chrétiens, aux non-chrétiens, de faire un réveil spirituel pour éviter le sommeil spirituel ou du péché, etc. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci une fois de plus de ce que tu nous as accordé le Saint-Esprit pour présenter ce message. Nous te disons merci, Père. Bénis le lieu où cette semence a été faite. Bénis les cœurs qui ont reçu cette semence. Permets, ô Dieu, ces cœurs produiront, Seigneur, un jour de la joie en Christ lorsqu'il sera de retour. Prépare-le, Seigneur, à être prêt pour l'enlèvement de l'Église, pour recevoir Jésus-Christ dans leur vie. Bénis ton serviteur que tu as utilisé pour présenter ce message. Nous avons assoiffé de toi tous les jours, à tout moment. Nous te disons merci, Père. Sois avec nous, bénis ta parole. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. À lui seul la gloire, au siècle des siècles. Et nous arrivons au moment de mettre fin à notre exposé du jour. Nous vous encourageons. N'oubliez pas de devenir un membre, c'est-à-dire un psychothérapeute, de notre émission intitulée Psychothérapie spirituelle. En abonnant, aimant, commentant et partageant nos vidéos, c'est la meilleure façon de supporter cette émission. C'était pour vous servir, votre ami et frère en Christ, les fatigables à le boulot de Christ, Inacio Mérilien qui vous dit au revoir, espérant de vous rencontrer très certainement à bientôt pour les suites de nos exposés théologiques. Je vous laisse en compagnie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous vous aimons tant. Merci et à bientôt.